Yo la famille, vous avez été nombreux à me dire que j'étais un gros enfoiré, désolé du gros mot, parce que il y a quelques jours on est parti à l'hôtel 5 étoiles de luxe sans Yacine. Regardez, aujourd'hui je vais me rattraper. Je vais aller passer la meilleure après-midi de ma vie, on va manger dans un restaurant pizza, on va voir l'équipe de France où ils sont, etc. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Je vais prendre Yacine avec moi, mais je vais juste faire genre, maman elle m'envoie faire des courses, viens m'aider. Si il me dit, vas-y, je viens t'aider mon grand frère. Tu peux compter sur moi, je le prends avec moi. S'il fait non, la flemme, tout ça, et je suis sûr qu'il va faire ça, je vais avec Sofiane. C'est bon? On va voir si je suis un gamin ou pas. Alors, tu viens ou pas, maman, avec. Ouais, vas-y, va, moi je porte pas, je suis fatigué, je laisse la flemme. Tu veux pas m'aider à faire les courses? Va, toi, va, laisse-moi tranquille, va, va, va. T'es sûr de toi? Tes courses de merde, tous les gens vont me demander des. Moi qui j'ai. Les gars, écoutez-moi bien, quand vous allez grandir, vous allez dépasser les 18 ans, on va vous envoyer qu'en mission. Mais oubliez-moi, moi, c'est bon. 1 hour later. En compagnie de Sofiane. Aujourd'hui, un truc vraiment très spécial, on habite pas trop loin de Paris. Mais moi personnellement, j'ai jamais visité Paris, genre jamais de ma vie je suis venu à Paris. Et là, on est à Paris, truc de ouf, regardez, je sais pas, au quartier là, ça se voit les bâtiments, tout ça derrière. Et on va essayer d'aller voir la Tour Eiffel, les trucs comme ça. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là, les bâtiments, c'est comme ça, ils sont classe de ouf, hein, les bâtiments. Oh, rien à voir avec nous, et dehors, on est les seuls rebeux de Paris, je crois. Vraiment. Pourquoi? On ouais, croise pas de Renoir, pas de Rebeu, ça fait bizarre. On arrive devant ce que Sofiane m'a parlé. Tu peux m'expliquer comment on faut faire? En gros, c'est les trottinettes. Faut télécharger l'application, tu payes. Ouais. Tu mets dessus. Tu la payes. Prends normal. Bah, tu payes, après, ça, c'est comme si tu l'as loué. Après, dès que tu as fini, tu la poses. Ça veut dire là, il n'y a pas de cadenas. Celui qui veut la prendre, il la prend. Bah, non, il faut scanner, mais pas les. Ah, ouais, si tu scannes, elle est sale, il y a un masque et tout. Ça veut dire en vrai, bizarre. Hein. Ouais, pour en trouver une en bon état. On va essayer d'aller vers la Tour Eiffel, les Reyes. Regardez comment c'est. Il y a trop de gens, c'est Roma, c'est un truc de ouf. Moi j'aime bien le calme. Moi j'aime bien le calme, la tranquillité. Là, c'est mehlé, ça va 20 000 à l'heure, gros. On dirait que t'es dans un rêve. Regardez. Feu rouge, 400 000 personnes. Là, on est dans un restaurant. Non, c'est pas un restaurant, c'est un restaurant. Il y a des gens de partout. Traverse le pont. Bon, là, on a Sofiane, il nous a ramené un pont. Attends, je vais essayer de vous montrer. Il y a la Tour Eiffel pas loin, les Reyes. Regardez, vous voyez le pont là-bas, là. Ouais, faut tourner à gauche, on l'avait même vu. On va se caler au moins au niveau du pont, on verra. Vas-y, moi je te suis, mon gars. Et après, on va se manger un restaurant pizza. Voilà, on a bien avancé. Ça, c'est la Seine, ça. Ah ouais, au champ, je l'ai même pas vu. Waouh. Eh, ça en dirait un suppositoire géant, tu te le manges dans la nuit. Excusez-moi, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Regardez le bout là-haut. On va essayer de s'en rapprocher un peu. Là, on a quoi en bas? Ah ouais, des petits bateaux. Tranquille. Regarde-moi le coin là-bas. Ah ouais, là, c'est tous ceux qui travaillent. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Eh, hey, là, t'es sur Pokémon Go. Il y a ouais, des Pokémon de haut. Ouais, s'il y avait des trucs. Bon, je m'attendais à rien en allant à Paris. Ouais, j'ai jamais été aussi proche, les gars. Regardez-moi ça. Elle est juste là. Elle est vraiment super, super balèze. C'est vrai, je suis content d'avoir vécu ça avec toi. Ouais. Ta première fois à Paris. La première fois qu'il se fait bien, on avance un peu. Je crois qu'on n'a pas le droit de rentrer. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment relou. Regardez comment elle est hyper balèze, vraiment. Attendez, il y a les arbres. Là, il y a la sécurité. Regardez vite fait. Bonjour, elle est fermée, messieurs, la Tour Eiffel. Ah, dommage. Bonjour, on vient, elle est fermée, dommage. Franchement, c'est calme. Ah bah là, on la voit bien de ouf, regardez. Comment elle est grande. Waouh. Tout ça, là. Incroyable. Et normalement, dedans, il y a un parc. Tu vois, tu peux te balader, tu peux faire une baroude. Dommage, on n'a pas le droit. Oh, c'est bon, hein. Là, on a la meilleure vue. Y a plus d'arbres. Par contre, j'ai mis grave des vestes, j'ai chaud de ouf. Donc là, on va aller dans un restaurant pizzeria. J'espère que ça va être bon, les frères. Je pense que ça va être bon, on peut pas être déçu. En tout cas, les gars, comme vous pouvez voir, je vous la refais encore une fois. C'est vraiment hyper balèze. A few moments later. Regardez-moi ça, les gars. Équipe de... Ils sont dedans, hein. Mbappé et tout. On peut aller les voir, tu penses, ou ça va être chaud? C'est la FFF. Ouais, c'est carrément les locaux de la FFF, les Reyes. Regardez-moi ça. Je sais pas si on a le droit d'y aller. Attends, port du masque est obligatoire. Est-ce que ça va s'ouvrir? Eh merde, c'est fermé. Je pense que c'est là où tes matchs du dimanche sont organisés. Comment ça? Bah, t'as vu, c'est sur le site de la FFF que tu as. Ah ouais, incroyable. Dommage, c'est fermé, Yacine. Hein. Dommage. On est posé avec Sofiane, avec la carte. Là, vous allez entendre un peu de bruit. C'est normal, il y a les voitures. Donc, Sofiane, présente-nous un peu ce qu'on va prendre. On va prendre une pizza tonara à base de thon, et de pesto maison et de. C'est des vrais produits. Ouais. Et donc moi je vais prendre une al tartufo. À la truffe. À la truffe. Donc je vous mets les tarifs si vous voulez comparer à la cité ou au quartier quoi. Voilà, la carte elle est comme ça, si vous voulez regarder. Il y a des plats, il y a des desserts.
C'est carré. Regardez les couteaux, frère. Avec ça, c'est peut-être des couteaux faits exprès pour les pizzas, tu penses? Je pense. Hein. C'est comme là, là, il y a l'huile pour piquante. Pareil. Là, il nous a donné du poivre. Après, il y a le savon. Et là, il y a aussi du poivre. Je sais pas si c'est vraiment du poivre. C'est peut-être de l'huile d'olive. Ou du parmesan. T'es sérieux, là? On va voir ça. Hein. Tout est possible. C'est parti. On va goûter ça. Première fois. La truffe, je sais même pas ce que c'est en vrai. C'est super bon. Ça a un goût de quoi la truffe? Je pourrais pas te dire. Mais ah, c'est bon. Vrai que je goûte. En tout cas, c'est ça. Là, c'est du champignon. La truffe, elle, là, c'est la crème de truffe. Là. C'est de la crème de truffe. Franchement, c'est super. C'est incroyable aussi. J'étais sceptique. Alors, quand j'ai vu, je me suis dit que c'est bizarre. En fait, normalement, là, c'est grave bon. Bah, il laisse à toi de c'est la pizza au fond. Avec du pesto. Ouais. Regardez. Thon, pesto, fromage. Ouais, le fromage. C'est pas du gruyère ou de l'emmental bizarre. Hein. Et le pesto? Et le pesto, je l'ai pas senti. Je vais goûter tout seul pour voir. En plus, sans plus. Tu n'as pas testé ça? En fait, on sent beaucoup de fromage. Et la truffe, je suis comme toi, je pourrais pas dire le goût. Mais je trouve ça un goût quand même, ça fait un peu comme du gratin. Comme un gratin ou je sais pas. Je pourrais pas vous dire le goût. Mais vraiment, c'est super bon. On va manger, on se pète la fête. On a super bien mangé les produits frais. Mon palais, il a pas l'habitude. Je crois que je vais habiter ici. On va regarder les prix un peu. Et 1 600 000 euros. 2 millions. 2 millions. Non, mais ça, à mon avis, c'est l'argent qu'il faut, l'argent de GTA 5. L'argent de GTA 600 000 euros. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que il y a un magasin juste là de sneakers, de bêtes de basket. On va regarder les baskets qu'ils ont pour voir si c'est un peu pareil que chez nous. Alors, c'est un truc de fou à Paris. Alors, t'en dis quoi, toi? C'est des paires. C'est des paires de ouf. Regardez la famille. Les Jordan, waouh, c'est hyper beau, on dirait un musée, frère. Et tu vois les paires là-bas, là où il y a du scotch, je sais pas si vous voyez, ça coûte grave, grave, grave cher. Mais est-ce que nous, on met ces paires là, nous? Non. Non, on met pas ça, nous. Mais en tout cas, sur les petits enfants, là, ça passe crème. Hein. Mais je pense que les prix doivent être super chers. Ah, là-bas, il y a des Air Max. Là-bas, tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est des paires. Ils sortent à 180 euros comme nous on achète. Ouais. Sauf que comme c'est des éditions limitées, les gens ils les achètent pour les revendre. Ah oui, d'accord. Ilias m'avait dit qu'il faisait ça aussi. Et ça veut dire qu'en gros, après, la paire elle coûte 600 euros. Quand tu veux l'acheter, elle coûte 600 euros. Mais de base, quand elle est sortie, elle a coûté le même prix que tu. 100 euros, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Super beau Paris. Hein. Vraiment super beau. Là, on a plein Uber pour rentrer parce que conduire sur Paris, je vais vous montrer, là, c'est catastrophique, c'est chiant. Juste la circulation, c'est relou, comme je vous disais. Il y a trop de voitures, trop de gens excités. Trop de feux rouges. Ouais. Ça m'a donné envie d'aller en vacances, vraiment. Mais dommage, il y a le Covid. Mais bon, là, déjà, on peut se déplacer sur Mars, tout ça. Nous, on va vous laisser là. Salam, la famille. C'est ça, t'as été faire les courses, parce que ça clocheur, ce fan, il m'a tout dit. Tu casses la tête.